Gros salutations pour nous tous, quoi exact content d'entrer la CAO pour l'informer ou même cap garder nous pour la première fois nous remercier et n'a pas invité à abonner, activer cloche notification pas jamais rater une vidéo nous. Ou même qui toujours like, partager, commenter vidéo nous remercier et n'a pas jamais suspendre faire ça parce que l'on fait ça c'est force nous, c'est vous voyez nous plus loin plus haut. Merci pour ça et nous remercier le fait qu'on quitte ce quoi exact informer. Dans l'émission ça nous va partager un peu l'information ensemble avec vous. Nous allons parler de Cannes et élimination Sénégal. Surprise journée. Nous allons parler de Mercato et nous allons venir avec différents meilleurs buteurs chaque grand championnat avec Passeur et avec en pile l'autre information. Mais bien chita, ce qu'on exact, nous allons informer. Premier coup de pied à faire, nous allons aller en Espagne. Je dis, il y a un match décalé entre Getafe et Granada. Granada qui était en vie battre parce que faut qu'il te batte. Li nan bas classement, mais malheureusement, Getafe li bat Granada 2-0 et enfoncé club là, pi plus nan crise que liye. En Italie, te gon match décalé également. AS Roma te en déplacement, Kaisa Salernitana. AS Roma qui change coach, c'est De Rossi qui prend reine équipe là depuis que yote limogé Mourinho nan tête AS Roma. Et deuxième sortie De Rossi, c'est 2 victoires et gagné Argentin Paolo Dybala qui t'a inscrit un goal sous pénalité pour AS Roma et victoire ça fait AS Roma le 5e dans le classement Série A. Jean nous t'ai dit dans 5 grands championnats, il y a pile goal qui fait, grand pile joueur qui détaché de championnat et nous allons partager ensemble avec vous meilleur passeur avec meilleur buteur championnat pour. Nous prenons dans Série A côté que c'est Lautaro Martinez cap joué dans Inter de Milan qui gagne 19 goals. Dusan Vlahovic cap joué dans Juventus qui gagne 12 goals et nous gagnons Olivier Giroud cap joué dans AC Milan qui gagne 10 goals. Pour meilleur passeur c'est Olivier Giroud qui gagne 7 passes, Thuram qui dans Inter qui gagne 7 passes et nous gagnons Ketelaye qui gagne 4 passes dans Série A qui gagne 6 passes excusez-moi dans Série A. En Espagne c'est Jude Bellingham qui meilleur passeur, nous gagnons qui meilleur buteur, nous gagnons Dovbik qui gagne 14 goals également, mais Jude Bellingham li gon pi bon ratio, c'est ça qui fait le devant. Et troisième meilleur buteur, c'est Alvaro Morata, qui a joué dans Atlético Madrid, qui gagne 13 goals. Pour passeur, c'est un couteau qui a joué dans Girona, qui sont brésiliens, qui gagne 7 passes. Tony Kroos, Real Madrid, qui gagne 7 passes. Et nous gagne Baena, qui a joué dans Villarreal, qui gagne 6 passes. Et en Angleterre, Erling Haaland, malgré jouer ça, presque gagné 2 mois que le pas joué. C'est lui-même qui style meilleur buteur championnat. Il a gagné 14 goals. Gagné Mohamed Salah qui co-meilleur buteur. Il a gagné 14 goals également. Mais Erling Haaland a un plus beau ratio. Et Salah, il blessé également, qui quitte Cannes prématuré. Égypte éliminé et tout. Mais et monsieur a quitté Cannes plus bonheur. Il a traité en Angleterre. C'est lui-même qui deuxième meilleur buteur dans le championnat ça et nous gagnons Solanke qui a joué dans bon move qui gagne 12 goals. Meilleur passeur c'est Walkin qui a joué dans Aston Villa qui gagne 8 passes. Mossala dans Liverpool qui gagne 8 passes et nous gagnons Darwin Núñez qui a joué dans Liverpool également qui gagne 7 passes. Dans Bundesliga il parlot que Harry Kane qui a fait une très bonne saison avec Bayern, il a gagné 23 goals. Deuxième buteur là c'est Serhou Girassi qui a joué dans Stuttgart, il a gagné 17 goals et nous gagnons Loris Openda qui a joué dans Leipzig qui a gagné 13 goals. Meilleur passeur championnat ça c'est Leroy Sané qui a joué dans Bayern, il a gagné 10 passes. Grimaldo qui a joué dans Bayern Leverkusen qui gagne 8 passes et nous gagnons Julien Brandt qui a joué dans Borussia Dortmund, qui gagne 8 passes. En France, c'est Kylian Mbappé qui meilleur buteur, qui gagne 19 goals et nous gagnons Ben Yedder qui a joué dans Monaco qui gagne 10 goals et nous gagnons Lacazette qui a joué dans Lyon qui gagne 9 goals. Meilleur passeur à top 3 a gagné 2 anciens Barcelonais. Nous gagnons Dembélé qui gagne 6 passes li devant et nous gagnons Soloka qui gagne 5 passes cap joué dans Lens et nous gagnons Aubameyang cap joué dans Marseille qui gagne 5 passes 2
joueur dans top 3, c'est ancien Barcelonais et c'est au même qui meilleur passeur dans championnat et m'espérer que nous servir mon qui te dit pour me deviner avec meilleur passeur avec meilleur buteur chaque championnat. Nous praler dans mercato, je dis te gagne pile mouvement qui t'est fait dans mercato et nous gagnons Benfica qui dit que le pas disposé pour quitter Florentino Luis aller en prêt dans Everton malgré deux clubs yo gon lien qui vraiment étroit. Yo pas disposé surtout mercato arrêté quelques jours pour le fermer porte li et Benfica dit la kembe jouel s'il gen pour aller c'est en été à li capable aller. Nous gagnons Leicester avec Inter de Milan qui décidé conclure un accord jodi pour yo joindre on pour capable gagner service Stefano Santi sous un transfert permanent et transfert permanent ça pril li fixé aux environs de 500 000 euros plus 2 millions complémentaires en cas de promotion en première ligue. Dans dit promotion si joueur ta champion ou bien l'état sous les doigts européens tout ça aussi pour un titre en plus a gagné un petit cob pour Inter pour et Leicester by Inter 2000. Nous gagnons Sam Tonton qui conclut un accord là pour le capable gagner service David Brook en prêt dans bon move. Examen yo réservé demain et demain tout nous capable venir avec officiel là pour le moment et accord li prêt, examen yo a fin passé et après ça tout bagaille a OK. Officiel nous gagnons Calvin Ramsey qui quitte Liverpool pour rejoindre Bolton Wanderers en prêt pour reste saison. Nous gagnons RC Lens qui soumettent en nouvelle offre là à Barcelone pour le capable gagner service Michael Faye qui c'est un défenseur et Barcelone t'a dit oui déjà elle dit oui encore mais mercato arrêté quelques jours nous pas connaît si Barcelone a cédé parce que Barcelone besoin comment entrer dans caisse nous pas connaît mais pour le moment yo envie gagner joueur mais Barcelone toujours voulait kimbe joueur dans la Masia et proposition prêt avec obligation d'achat, c'est aux environs de 8 et 9 millions que l'Icapabie et tout dépend du FC Barcelone. Nous gagnons agent Antonian qui dit que lui-même avec Manchester United, il n'est pas au courant de déménagement Anthony en Arabie Saoudite. Pas gagné communication entre moi-même et club là avec Arabie Saoudite, c'est ça agent dit. Il dit pour le moment Anthony il fixe son objectif là qui c'est Manchester United, c'est ça qui est objectif. Anthony pour le moment pas gagné communication entre pour un déménagement de Anthony dans Arabie Saoudite. Nous camper là avec information sur mercato demain a bien mouvement parce que par été jour pour mercato a fermé porte li et nous même n'a pas pour nous dire qui ça qui fait. Je nous t'ai dit au début émission 1, nous allons faire connaissance avec un nouveau joueur qui c'est un brésilien, l'a joué dans Brighton, non c'est Joao Pedro et dans 4e journée FA Cup là, Pedro t'est démarqué de l'autre partenaire Lio parce que il inscrit un triplé pour Brighton 29e, 52e, 67e. Il mettait fin dans série de 2 matchs sans victoire que l'équipe liante fait. Et attaquant ça, il formé dans Fluminense, c'est lui-même qui occupait tête classement dans FA Cup là, côté que il marquait 5 goals en 2 matchs et pour saison ça. Statistique brésilien est vraiment impressionnante. Il marquait un goal tous les 35 minutes disputées et il gagne un taux de réussite de 83% avec 5 goals sur 6 tirs dans goal. Ça veut dire que il fait 6 tirs et il marquait 5 goals. Joao Pedro l'a réalisé on également une grande saison en première ligue là côté que il occupe tête classement la Kylie il gagne 7 goals et dans Europa League là côté que Brighton il qualifié déjà il gagne 6 goals et il c'est meilleur buteur dans Europa League là pour le moment. Joao Pedro il c'est un attaquant il gagne 22 ans seulement il mesure 1m80, il taille c'est 182 cm et nous pensons que Dorival t'a supposé garder jouer ça à plus près parce que Brésil gagne problème neuf que le gagne c'est Richarlison que le gagne et source et si l'Italie avec
Pedro, parce que c'est bien seulement la fête Brésil, Foc Dorival la font y garder et nous espérer dans prochaine prochain rassemblement que Brésil vient pour le faire, monsieur, yo va releli et je pense que Brésil besoin tout petit lio pour capable faire de bons résultats surtout dans Europa League ça là, dans Copa América qui presque rivé sous nous. Nous braler en Espagne pour nous dire que Liga li font ajouter on petit jour ou bien et plus sans toujours pour fenêtre mercatoire au lieu de 31 janvier c'est 1er février à 23h59 en Espagne qui a toujours gagné mouvement dans mercatoire l'autre championnat est capable fermer mais si un joueur a venu en Espagne Espagne a capable recevoir parce que mercato par là a fini 1er février à 23h59 c'est ça communiqué a dit. Nous gagnons Javier Tebas, qui est président de Liga, li bay opinion personnelle li sou ka Mbappé. Il dit lui-même, il sentit que Mbappé est capable de venir dans Real Madrid à 50%. Il dit que c'est avis personnel, moi, c'est Real Madrid qui gagne dernier mois. Soudan de Tebas, qui bon ami Florentino Pérez, capable de mettre Mbappé à 50%, nous-mêmes, nous mettons 10% sous lui, parce que nous avons mis en pile, et c'est lui-même qui à gérer Liga, je pense que Mbappé a une chance pour le capable de venir dans Real Madrid. Gagné une statistique qui sorti là, dans Vala, pour deux équipes qui plus pénaliser dans Liga. En pile, mon cap gardé là qui c'est fanatique Barcelone, capable fâcher en pile, statistique yo sorti, c'est Barcelone avec Real Sociedad, deux équipes ça yo va mauvaise décision que va prendre à l'encontre, faire perdu plus points. C'est malheureux. Malheureusement, mais voilà, des fois, il décide, j'en voulais, et me te dit, nous voilà, il vini pour te mettre plus l'ordre. Des fois, ouais, voilà, c'est plus confusion que il mettait, et malheureusement, Real Sociedad avec Barcelone, c'est deux équipes que voilà, plus pénalisées d'après une statistique qui sortit dans Liga. Nous gagnons Michel, qui c'est entraîneur Girona, c'est lui-même qui élu meilleur entraîneur Liga, pour le moment, il y a une tête classement. Et Real Madrid qui gagne un match en retard la semaine maintenant. Barcelone gagne un match en retard également la semaine maintenant. Et demain, n'a fait le point sur rencontre Sao Paulo. Mais pour le moment, c'est Girona qui gagne tête classement et entraîneur à honorer parce que l'a fait un très très bon travail parce que lui-même n'est pas gagné. Superstar n'a même. C'est à ça le gagné, la contre-carré équipe fort dans Liga. Et nous pensons que c'est à féliciter. Nous gagnons Real Madrid qui fait le point sur blessé lui. Nous connaissons Real Madrid saison ça, il était gagné en pile blessé, mais pendant le gagné en pile blessé, dans seule compétition seulement Real éliminé qui c'est Copa et Del Rey là, mais dans toute reste compétition Real Madrid li vivant et il se prend Super Coupe, li dans Liga et li dans Ligue des Champions malgré li gagné en série de joueurs cadre qui blessé. Le point que Real Madrid fait, nous gagnons Thibaut Courtois qui continue à entraîner individuellement et li capable retourner le dimanche et Eder Militao li continue travail pour compte toujours et nous pensons que li capable venir en pleine forme pour Ligue des Champions en quart de finale si toutefois Real qualifié et date pour le retourner en ce 13 mars. David Alaba qui a out pour la saison mais s'il est bien récupéré nous capable ouais David Alaba en fin avril début mai c'est et statistique ça yo fait ou bien c'est prévention ça que yo fait sous David Alaba. Gagne une mauvaise nouvelle pour Nacho. Nacho gagne 3 dernières rencontres Real Madrid fait là Nacho vraiment pas mettre sérénité derrière pour Real Madrid. Peut-être c'est une mauvaise phase parce que tout joueur bien ça dans carrière yo mais gagne socios yo qui fait voyo, le lever voyo, et on dit pour moi février, qui sont mois crucial. Pour tout le monde qui est dans la compétition, surtout pour Real Madrid, faut que Nacho parte dans 11 de départ. Et ben, c'est que li dur pour un joueur qui, dans post-courrier, c'est ou même qui met li, qu'on y a, yo préféré, yo gen doit préférer un autre joueur qui pas poste de prédilection en lieu, en place. Pour ça, Sosios dit, nous capables toujours camper 4-4-2, mais derrière, ils préféré Tchouameni au lieu de Nacho, qui pour accompagner Rudiger, et gagner Kamavinga, qui est capable de jouer 6 devant défense en tout, et ils dit que monsieur t'a supposé jouer 6, et reste équipe là t'a prêté Jean-Lier. Nous par contre, si Ancelotti a fait exactement ça, Sosios dit, mais
parole sociaux surtout ou pas ka passer pied sous yo comme ça. Parce que c'est au cachet ticket, c'est au même qui fait tout ça ou gen pour faire, yo met kòb yo nan équipe là. Lè yo di yon bagay, li capable plus ou moins secouer Real Madrid, mais comme ça tout Ancelotti qui doit choisir pas faire ça, mais Nacho li pa vivre un bon moment avec Real Madrid. N'a toujours été en Espagne, fois ça nous va faire le point sur blessé que FC Barcelone gagne. FC Barcelone qui n'ont très 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 mauvaise passe. Équipe là, il gagne tant éliminé dans deux compétitions sur quatre. Il était Liga avec Ligue des Champions que nous pas capable Barcelone favori dans youn nan sa yo que le rete yo et Xavi qui sous le départ blessure yo tout pas aider Xavi faire une très bonne saison. Nous gagne Ter Stegen qui dans dernière étape convalescence li que me pense que si monsieur vini là très bon pour Barcelone parce que Iñaki Peña a commencé et pas même Jean en bacan et date probable pour Ter Stegen capable retourner c'est le 11 février avant et Ligue des Champions que on gagne pour jouer match aller face à Naples. Nous gagne Inigo Martinez qui a joué ça tout blessé malheureusement et de temps en temps la blessé li capable retourner le 3 février. Alexandre Balde li forfait net pour cette saison. Nous te dit que si au tap balle conservateur li tap capable jouer mais Balde prend décision pour opérer et c'est reste saison et monsieur capable prêt en juin. Capable de faire pré-saison avec FC Barcelone. Marcos Alonso également qui blessé, date pour retourner ses premiers mars. Gavi, c'est fin saison en tout, même genre avec Balde. Sergio Roberto capable de tourner avant Napla le 3 février, c'est date ça que le capable de retourner. Et Rafinha lui-même, c'est 12 février que nous capable de voir Rafinha li disponible pour FC Barcelone. C'est lisse, blessé ça que FC Barcelone gagne. Et nous espérons que quelques jours tournent parce que Barcelone vraiment pas dans et meilleure forme ni et avis tout Julio vraiment à compter. Nous parler en Afrique pour nous parler de Cannes. Cannes jeudi a gagné deux belles rencontres. Nous gagnons Cap Vert qui éliminait Mauritanie 1-0. Cap Vert li fait minimum nan, li passé et le qualifié pour quart de finale. Nous gagnons Sénégal qui a joué contre Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire c'est pays hôte. Et l'Europe a joué avec pays qui a fait un championnat, il est vraiment difficile pour vous parce que pays a un 12e homme. C'est la CAIO qui a joué, Côte d'Ivoire, qui passait, il était meilleur 3e. Côte d'Ivoire qui perdu 4-0 face à Guinée. Et Sénégal qui s'est champion en titre, qui finit premier dans Pouli en 9 sur 9. C'est la seule équipe qui a fait ça. Malheureusement, il a éliminé dans tir au but 5-4 et quitté Cannes. Et prématurément. Gagné Sénégal qui t'a marqué bien bonheur dans la rencontre ça. Et depuis, Gola ouais Sénégal, c'est tout simplement fin joué. Côte d'Ivoire, il méritait qualification parce que y a cherché, y a cherché, y a cherché et y a joué une pénalité. Franck Kessé qui c'est un ancien Barcelonais, c'est lui-même qui mettait équipe à égalité. Et c'est Franck Kessé tout qui transformait pénalité par là, qui t'a fait et Côte d'Ivoire battre. Sénégal et nous gagnons Sadio Mané qui quittait Cannes malheureusement pour champion en titre et Côte d'Ivoire li passé et l'aptan équipe pour li jouer quart de finale. Namdou et Cap Vert li qualifié pour quart de finale et l'aptan moun qui a gagné dans match Maroc Afrique du Sud qui a fait demain et Cap Vert a connu qui moun li va jouer quart de finale et c'est une très belle compétition que nous invitons à regarder qui bien organisé côté que arbitre fait travail propre tout le monde fait ça ou gain pour faire c'est une très très belle compétition que ou même sous pour gain chance garder nous inviter à regarder et pour Mauritanie c'est Jamiro Monteiro qui finit l'homme du match et pour et match Sénégal Côte d'Ivoire là c'est Franck Kessié qui finit l'homme du match et n'a bien Sébastien Aller qui a joué dans d'autres monde qui baissait depuis le li opéré a li te transformé pénalité là et joueur sénégalais qui te raté pénalité là il te besoin n'importe 4-5 garçons pour Kimbel tellement monsieur t'a crié c'est désolant et malheureusement et Sénégal li quitté compétition prématurément. Demain n'a vini avec tout résultat t'a fait pour parce que a gagné un pile match en Angleterre a gagné Cannes encore une fois et score exact à là pour l'informer pour nous dire qui ça qui sorti dans tout match qu'a gagné demain.
Moi t'es content passer ce moment ça avec vous. Moi remè en pile en pile en pile. Merci pour support yo tout le monde qui fait qu'abonner avec nous. N'a dit que c'est une plus bonne décision qu'on prend et pas chambre regret une fois de faire qu'on t'abonner avec Chanel ça. Bye bye tout le monde, non pas c'est Mirland, pas oublier nous toutes net. Nous c'est score exact.